La prof. Mais en fait, il y a eu une nouvelle loi. La prof, elle m'a dit tous les vendredis en décembre, les musulmans, ils doivent faire la Jumoura. Du coup, ils sont pas obligés de venir à l'école. Tous les vendredis, les musulmans, c'est la nouvelle loi. Comme il y a la Jumoura, tous les vendredis, ils sont pas obligés d'aller en cours. Oui, je te jure. Elle dit ça. Oui, et pour l'église, pour les chrétiens aussi, ils doivent aller à l'église. Et du coup, pour Noël ? Ouais, pour Noël. Ils doivent prier les cadeaux. Ok. Écoutez, regardez, mes frères, ils m'ont dit un truc. Quand j'étais à Dubaï, j'étais pas au courant. Vous voyez mon beau-père ? Il a enlevé la pension de moi et mon grand frère, déjà. Et là, il vient de me dire qu'il a enlevé la pension de mes deux petits frères plus grands, genre de Riyad et de Yanis. Mais il a laissé la pension de toi, Adem ? Le boss. Et de ma petite. La star. Ça veut dire vous ? Et ça veut dire à quel âge il va enlever la pension, vous pensez ? J'aurais 19 ans. Moi je pense que je vais être tenace. C'est quoi t'as dit quoi? Je vais être tenace oui. Ah tu vas pas lâcher le BNF? Non. Putain. Quel enfoiré quand même. Grosse dinguerie où vous êtes pas prêt. Mon petit frère veut se lancer dans le rap. Quand j'étais à Dubaï, il a écrit un gros texte. Regardez le gros 16. 16. On l'écoute. Vas-y. Action. Frère, j'ai la rêve. Ok, tu fais la nappe. Ouais, je l'ai dans la tête. T'es bouillant, assis, frérot, sois-toi, détente, c'est l'heure. Mon pote qui grandit dans une cité, y'avait même pas de télé. Millions d'euros, qu'est-ce qu'on veut, on bosse pas de chichis, nous. Chaque année, c'est l'heure de manger du riz, ouais. Frérot, on connaît les rangs, chaque année, doit dire ça à la récré, et on est sur des creuses. La fin d'histoire me veut toujours des histoires, donc je prends mon répertoire, ton yapé. Oh, c'est dingue. Je suis sûr c'est lourd. Je suis choc en plus. C'est lourd. J'ai pas envie de me... Tu l'as jamais fait comme ça. Mais oui, c'est dingue. Hein. T'inquiète. Il y a un truc. Mais il faut que tu le refasses mieux, des fois, mieux. Oui. Mais franchement, il y a un truc. Merci beaucoup. Ce couplet là. J'ai grandi. J'ai grandi dans une cité, il n'y avait même pas de télé. Millions d'euros, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas ticher. Mais genre, pourquoi tu fais cette voix-là, genre pour devenir. Pour c'est un nouveau thème. C'est un nouveau thème. En gros, c'est, ça s'appelle le thème du robotique. Le robotique, c'est fait. Ah, c'est parce que t'as pas de. Voilà. Comment ça s'appelle? L'autotune. T'as pas l'autotune, donc c'est obligé, tu le fais comme ça pour que les gens y comprennent. T'as tout compris. Bah vas-y, refais. Ok. J'ai grandi dans une cité, il y avait même pas de télé. Millions d'euros, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas ticher, nous. Chacalerie, c'est l'heure de manger du riz. Et la quête d'Oasis, c'était quoi? Bah, c'est Crush Ball, frère. Et y'a quoi juste avant Crush Ball? Bon, on est foncé. Bah, t'es quoi avec la quête d'Oasis? T'es foncé. Laisse-moi relire la phrase, regarde. Héros, on connaît les rageux canets d'Oasis à la récré. On est tous foncés, Crush Ball. Bah voilà, vous êtes avec la canette d'Oasis, vous êtes quoi? Vous êtes tous foncés? Oui, après il y a Crush Ball, le mot il fait. C'est quoi Crush Ball? C'est mon nom de pseudo. Ok. C'est là? Frérot, on connaît les rageux canettes d'Oasis à la récré, on est tous foncés des Crush Ball. La prof d'histoire me veut toujours des histoires, donc je prends mon répertoire, donc j'appelle à voir de prendre la calage pour prendre tout son cash. Il y a un truc vers la fin. Il y a un petit truc. Tu vas rajouter quoi après cash? Bah après, quand vous prenez tout son cash, vous faites quoi? On va au grec. J'ai promis à mon père qu'on serait plus jamais un chien. Petit, j'étais persuadé que je deviendrais quelqu'un. C'est une dinguerie, ça fait 1h30. Est-ce que je suis fraîche comme ça en vrai? Parce que là, franchement, je me trouve vraiment trop belle. Non, t'es pas comme ça. En filtre. Sur en fait, Snap, c'est une autre personne. Là, c'est toi. Mais là, quand je marche, je me vois pas filles, comme ça. Les filles, vous avez trop tendance que sur Snap, vous pensez que c'est vous. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas toi. Putain, vraiment, je suis vraiment fraîche quand je regarde sur mon téléphone. Non. C'est pas qu'elle, je me dis putain. Ah bah non. Non. Désolé. Je dis la vérité, non? Elle était enceinte, on passe devant tout le monde. Lourd la technique. La technique, elle a dit elle était enceinte. Ah, c'est beau, ils s'entendent pas. Bonjour, votre collègue, je suis passée parce que je suis enceinte.
crois que le Covid ça n'existe plus hein. Elle a dit elle était enceinte, on passe devant tout le monde. Lourd la technique. C'est la technique, elle a dit elle était enceinte. Ouais, c'est beau, ils s'entendent pas. Bonjour, c'est vrai que je suis passée parce que je suis enceinte. Non, j'aime pas. Merci. Non, je suis genre trop gros, c'est tombé. Pourquoi trop gros? Non, j'aime pas, je suis genre j'aime pas. Elles sont belles, non? Non, non, y a mieux, y'a mieux. Viens, viens, viens. Bon, allez, ça va, regarde, elles sont à 590, ça va? Non, mais. Viens, viens, on va trouver mieux, viens. Y'a le sac qui va avec en fait. Ouais, y'a le sac. Ouais, mais vas-y, je sais pas, on est en hiver. Regarde, c'est celui-là. En été, on reviendra. Viens, viens, viens. Viens, t'inquiète, oui, mais non, on n'est pas en vacances là. Là, c'est coronavirus. Allez. Est-ce qu'ils ont des pieds chelous, des doigts de pieds chelous? Vous pouvez pas mettre ça. Dans chaque doigt de pied, vous devez mettre. Vous vous rappelez de mon gars Adnoun là? Quand j'étais à Dubaï là, il s'est acheté un Urus, sa mère. Vous savez, c'est quoi un Urus? Il est chaud, félicitations mon loup. Et là, mardi, mercredi, dans sa story, il explique tout. Il fait gagner 3 iPhone 12. Donc l'équipe, je veux que ça soit vous qui gagnez. Donc ajoutez-le et il explique tout dans sa story. 3 iPhone 12 à gagner, mardi, mercredi. Si demain, à 21h, heure française l'équipe, il fait une conférence, il explique tout dans sa story aussi. Donc allez l'ajouter, il explique tout sur le trading. Tous ceux qui connaissent rien au trading, il explique tout. Et en plus, il fait gagner un voyage. Il avait fait déjà gagner 15 personnes à Dubaï, tout frais payé. Et là, il refait gagner encore un voyage, tout frais payé, 15 personnes l'équipe. Donc je veux que ça soit vous qui gagnez. Donc ajoutez-le. Donc voilà, 21h, il fait une conférence pour expliquer tout sur le trading. Et il fait gagner un voyage. Donc voilà, ajoutez-le l'équipe, je veux que ce soit vous qui gagnez. Il annonce des 15 gagnants pour le voyage, le prochain voyage. Il annonce dimanche à 21h. Donc voilà l'équipe, je veux que ce soit vous qui gagnez. Donc voilà, restez à l'affût, ajoutez-le. Il explique tout et c'est carré. L'équipe, Adnoun, ça fait 3 ans, il vit du trading. Et c'est vraiment quelque chose. Et je l'ai vu de mes propres yeux quand j'étais à Dubaï avec lui. L'équipe, c'est 100% gratuit. Et mais c'est que pour les majeurs. Et pour découvrir le monde du trading, vous pouvez commencer avec l'argent fictif. Il a la plus grosse communauté en Europe hein. Il a plus de 20 000 personnes sur son canal Telegram. Il sait ce qu'il fait. Voilà, il est passé sur un grand magazine américain qui s'appelle Forbes. Il sait ce qu'il fait. Si vous voulez commencer avec l'argent fictif, vous commencez. Et quand vous connaissez ce monde du trading, bah, vous passez avec de l'argent réel. Et voilà. Donc voilà, il a fait gagner un voyage pour sa communauté à Dubaï pour 14 personnes et j'étais là, tout frais payé. Et là, il va faire gagner un prochain voyage l'équipe. Donc voilà, sweepé, ajoutez-le, c'est léger. T'es courtois, tu laisses les piétons traverser. Et tout, moi, je suis grave gentil. Eh, mais tu sais que là, il y a quartier. Putain, si tu veux me demander en mariage, il y a une bague, elle fait mal à la tête. Non. Non, je compte pas te demander en mariage. Ah ouais? De toute façon, bah là. Ah, je suis juste ta pote en fait. Bah, pour l'instant, ouais. Ah ouais? Moi, je croyais qu'il y avait plus. C'est que tu racontes là. Non? Y'a pas plus. Là-bas, c'est quoi là-bas? Ils ont ouvert un. C'est Louis Vuitton. Vas-y, toi, tu vois que ça. Je vois un parc, moi là. Ah ouais, en mais plus, y'a vraiment Louis Vuitton. Bah oui. Si.